Hier, je me disais un truc. J'avais envie de refaire un vocam en musique. Le principe, il est simple. Je poste une image sur les réseaux sociaux, vous la commentez et j'utilise vos commentaires pour en faire une musique. Ah ouais, donc monsieur est comme ça, quoi? C'est-à-dire qu'il donne pas de nouvelles depuis 2016 et puis genre il revient comme une fleur? Oui, c'est vrai, comme ma dernière vidéo date de 2016, donc oui, bonne année 2017, hein, parce que je ne l'ai pas souhaité. Et là, on est en 2024. Et 2024, il y a l'IA. L'intelligence artificielle, elle est là et il faut qu'on en parle. Alors tu connais sans doute les IA qui génèrent des images, ou à partir d'un texte qu'on appelle prompt, mais elles te génèrent une image. D'ailleurs, j'ai utilisé l'IA Midjourney pour générer l'image que vous avez commentée. Eh bien, en musique, il y a aussi des IA qui permettent de générer des musiques à partir d'un texte, et c'est plutôt ouf. Il y en a une particulièrement que j'ai découverte il y a une semaine, qui s'appelle Udio. Ah, parce qu'en plus t'es sponsorisé. Alors non, justement, je suis pas sponsorisé, c'est juste que quand je l'ai utilisé, j'ai trouvé ça... fabuleux de ouf, et je devais vous le partager. En gros, comme la plupart des IA, tu rentres un prompt, donc un texte, et à partir de là, il te génère une musique. Et le pire, c'est que bah, ça sonne bien. En tout cas, voici une petite démonstration. Au début, quand j'ai découvert l'IA, je voulais justement la challenger pour voir un peu jusqu'où elle va. Donc j'ai dit à l'IA, bah vas-y, écris-moi une chanson sur les Anunnaki, on va voir. Alors, si tu connais pas les Anunnaki, ce sont des dieux qui sont évoqués dans les tablettes sumériennes. Dans ces textes, ceux qui ont créé l'homme, ce sont des êtres venus d'une autre planète qu'on appelle les Anunnaki. Ben voilà ce que l'IA m'a pondu. Où sont les Anunnaki? Ils sont venus d'ailleurs, oui. Awaka waka wa. Awaka waka wa. Awaka waka wa. Awaka waka wa. Waka waka wa. Awaka waka wa. Waka waka wa. Awaka waka wa. Tu l'as le vaisseau. Alors, je sais pas si tu réalises la dinguerie qui vient de se passer. 1. Ça veut dire qu'il connaît les Anunnaki et l'histoire qui va derrière. 2. Il a écrit des paroles qui riment dans la thématique. 3. Il a généré une musique avec une structure qui est tout à fait cohérente. 4. Il a mis un chanteur qui chante les paroles qu'il a lui-même écrites dans la bonne tonalité en français avec un bon accent. 5. Il a aussi mis des chœurs qui chantent en harmonie derrière. 6. Ben le son il est déjà mixé, c'est-à-dire que ça tu le mets hop à la radio, ni vu ni connu. Et 7, ben il a fait ça en 30 secondes. Alors attends parce que c'est pas fini, tu peux aussi customiser les paroles. Ah tu vois où je veux en venir hein. Alors oui j'ai mis vos paroles dans cette IA pour faire le vocam en musique numéro 6. Justement on va l'écouter dans quelques secondes, mais avant je vais te montrer comment ça marche. Comme exemple je vais prendre un commentaire bah, pris au hasard. Aaron en parle, c'est qui ça? Je connais pas. Donc je fais un copier-coller de ce commentaire dans l'IA. Et je vais rajouter aussi quelques petites paroles. Et ça donne ça. C'est Nirina le retour. L'OVNI. Si je reviens c'est pour toujours. Oh oui. Les magazines aiment faire l'amour. Oh, pas la guerre. A bonne joie face à ma sous-soutra. Aaron, il en parle. Car c'est Aaron. À partir de cette musique de 30 secondes, je peux demander à l'IA de générer des parties avant ou après. Et l'IA va se débrouiller pour que toutes ces parties soient cohérentes, et c'est comme ça que je peux obtenir une musique entière. Alors, c'est bien beau, mais il y a quelques petites limites. Les résultats sont aléatoires, ce qui veut dire que bien souvent, il va falloir générer plusieurs fois le même prompt afin de tomber sur une pépite. Deuxième point, c'est encore difficile d'avoir exactement le même refrain. Donc ça nécessite un petit peu de montage audio derrière, où il va falloir découper, copier, coller et assembler tout ça. Alors oui, je sais que certains se disent « Non mais attends mec, l'IA vole ton métier littéralement, et toi t'en fais la promotion ?» Eh bien justement, le truc c'est que tu sois pour ou contre, eh bien, finalement la technologie est là, et avec ou sans toi, eh bien elle va avancer et se développer. Mon but dans cette vidéo est de montrer le potentiel qu'a l'IA. Et en dehors de tous les débats, moi ce qui me fait kiffer, c'est juste de créer rapidement, facilement, en étant bah, de chez moi. Le potentiel que je vois dans l'IA, c'est que ça peut être un vrai outil dans la création. Alors là, volontairement, je l'ai utilisé pour créer une musique à 100%, où il m'a tout généré, mis à part les paroles où j'ai utilisé vos commentaires. Alors bref, je te laisse écouter et en juger par toi-même, et tu me dis en commentaire ce que t'en penses. A bientôt. L'OVNI est de retour.
c'est vraiment des ovnis. Visiteurs venus d'ailleurs, tu t'es peut-être trompé de pays. Ça aurait dû être bien mis à Madagascar, tout est possible. Les Marseillais veulent nous envahir, mais la place est déjà prise. Ovni de l'Éphérique, si vous vivez ni qui faunique. Ovni de l'Éphérique, si vous vivez ni qui faunique. Paradoxe de Fermi. Anunnaki. Yeah, Anunnaki. Yeah, Anunnaki. Il n'a pas un ovni, je reviens. Et j'ai des crocs, frérot, toujours chaud, j'aime le ravit Toto. Le cousin de la rose sont arrivés, venant les inviter à manger. Piou piou, le monde est à nous. Ambiance de ravit Toto dans la soucoupe. Petit gris, au platine, c'est le festival des planètes. Petit gris, au platine, c'est le festival des planètes. Ah, ovni. Anunnaki, Anunnaki, oh, oh.